J'attends encore une fois que tout cela se passe bien. Mais je ne cache pas mon inquiétude et mon scepticisme sur la qualité de la préparation à ce jour. Voilà. Moi, votre intervention m'inspire deux réflexions. Par rapport à ce que vous avez dit concernant l'Assemblée, les élections concomitantes, aujourd'hui, si vous êtes élu comme président de la République, ce que vous aimeriez avoir à l'Assemblée, c'est une majorité pour gouverner, avoir le coup des franches. Alors, si on fait les élections par concomitance ou on fait les élections législatives avant, il est possible qu'après, le président ait les mains liées, parce qu'il ne pourra pas faire voter ses politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est un premier problème. Je peux répondre rapidement? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais juste poser la deuxième question, ce n'est pas compliqué. Aussi, il y a des candidats aujourd'hui qui pullulent à travers la Guinée. On a une profusion de candidatures, mais il y a des candidats qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas être élus parce qu'ils ne sont pas connus ou pour X raisons. Mais quand on se présente parfois aussi, c'est pour jauger le poids de son électorat au sein de l'opinion. Vous comprenez? Donc peut-être que même si vous savez que vous n'allez pas être, si vous êtes battu par exemple aux élections législatives, vous n'allez pas vous présenter aux élections présidentielles, mais il y a d'autres qui le feront juste pour savoir politiquement qu'est-ce qu'il pèse dans l'opinion. Donc c'est pour cela que je me dis aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, je ne sais pas si ce n'est pas ça la vérité. Aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous inspire. Écoutez, ça m'inspire. Revenons à mes assumptions de base sur le plan institutionnel, sur le plan de la gouvernance. Mon projet, je suis porteur d'un projet de société qui suppose que pour que la Guinée s'en sorte, il ne s'agit pas de mettre en place un homme fort, il s'agit de mettre en place des institutions fortes. La cohérence par rapport à ce projet m'amène à être cohérent avec moi-même. Ce que je veux dire, demain, c'est vrai que j'ai besoin d'une majorité. Mais vous avez vu l'exemple malien? Le président Tété n'a même pas de parti politique. Il travaille sur le jeu des alliances et des équilibres avec les partis politiques. Mais vous savez quoi? Il n'est pas capable de faire de n'importe quoi. Parce qu'il y a un pouvoir législatif réel. Si nous voulons que ce pays se développe, aille de l'avant, il nous faut des institutions fortes, pas un président fort. C'est cela la garantie d'avenir. Si vous prêtez attention à mes slogans, c'est pas par hasard qu'ils sont choisis. Quand je parle de garantie d'avenir, c'est l'une des raisons. Il nous faut des institutions fortes. Les institutions fortes sont une garantie d'avenir. Je suis entièrement d'accord avec vous. Permettez-moi encore d'intervenir là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on parle du changement du système politique en Guinée. Ce que vous dites rejoint parfaitement, quelque part, mes pensées. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous penserez, qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez élu président de la République? Est-ce que vous aussi, vous allez changer le système politique? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez des institutions fortes, chose à laquelle vraiment je suis entièrement d'accord, parce que nous avons eu des présidents très forts qui n'ont pas abouti peut-être aux résultats escomptés. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit de changer le système complètement ou est-ce qu'il s'agit de faire un système hybride qui pourrait tenir compte des avis des uns et des autres? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas pour le changement politique. Il y a des gens qui veulent absolument que le président reste toujours fort. Il y a des gens qui veulent maintenir l'Assemblée nationale telle qu'elle est, comme vous l'avez stigmatisé d'ailleurs. Et moi, j'aimerais que vous me disiez à peu près, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un Sénat en Guinée qui sera chargé de contrôler les institutions? Est-ce que vous n'avez pas piqué l'idée de mon projet de société? Pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, je vous dis que votre but est totalement pertinent. Merci. Dans mon projet de société pour Guinée pour tous, au compte de Guinée pour tous, sur l'aspect lié au législatif, aux réformes législatives, nous avons dit qu'il faut doubler les chambres. La chambre ordinaire du Parlement classique, mais Sénat. Mais dans ma conception, ce Sénat est représentatif ou proviendrait des pôles régionaux de développement dont j'ai parlé tantôt. Et sur la base des professions. C'est-à-dire, le Sénat sera le représentant des agriculteurs, le représentant des médecins, le représentant des artisans, pour que
la discussion au sommet sur les arbitrages budgétaires et les orientations stratégiques, puisqu'ils sont sensibles, de par leur profession, de par leur activité, aux problèmes réels de préoccupation de développement, pour qu'ils assurent au sommet, au niveau du Parlement, que les allocations sont faites pour garantir la satisfaction de ces préoccupations de développement. Donc, dans mon schéma législatif, c'est une représentation bicamérale avec une première chambre ordinaire, c'est le Parlement ordinaire tel que nous le connaissons, et doublé d'un Sénat, mais qui arrive des corporations de métiers. Ah, ça, c'est super. Monsieur le Président, vous avez exprimé des appréhensions sur la réussite d'élections transparentes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de... vous ne pensez pas que le délai du 27 juin soit un peu court? Écoutez, honnêtement, encore une fois, je l'ai toujours dit. Je n'ai pas une fixation sur la date. Si l'élection est dans une semaine, je suis prêt à concourir. Ce que je suis en train de dire. N'ayons pas une fixation sur la date, ce qui doit préoccuper dans le contexte social actuel, où le pays est sous tension. Il est essentiel qu'on garantisse que les élections vont se faire dans des conditions propres ou à peu près propres, telles qu'on ne donne pas de justification à ceux des leaders qui voudraient mettre la pagaille demain, qu'on ne leur donne pas raison en brandissant des preuves de ce que les résultats ne sont pas acceptables parce que les élections n'auront pas été transparentes. C'est la raison pour laquelle il est essentiel qu'on garantisse les conditions propres d'élection. Je suis en train de dire, peut-être le 27 juin, c'est possible, mais je suis en train de dire qu'à date, à ce jour, personne ne m'a présenté les listes électorales propres en tant que candidat. C'est mon droit. Sous tous les cieux, cela se passe au minimum à 8 semaines des élections, n'est-ce pas? Tout le monde sait ça. Nous sommes à moins d'un mois, je n'ai pas les listes. Nous sommes à moins d'un mois, je ne connais pas les bureaux de vote. Pour ne citer que ces deux exemples. Alors, demain, si le 27 juin arrive, les conditions et qu'on me dise à Yukunkun, les gens n'ont pas pu voter parce que le matériel électoral n'a même pas pu être livré. Et que le 28 juin, tel ou tel parti dise « Ah non, les résultats sont inacceptables parce que mes militants n'ont pas voté. » Qui pourrait leur contester le droit de revendiquer en ce moment-là? C'est cela le sens de ma préoccupation. Je ne suis pas préoccupé par la date ou par... Je suis préoccupé par la faisabilité dans des conditions de transparence et de transparence acceptable ces élections. Une dernière question. Voilà. Monsieur le Président, moi je voulais aussi, au niveau de la justice, tout à l'heure vous avez parlé de la justice, il y a une réflexion aussi qui me vient à l'idée, c'est de Montesquieu, quand il disait qu'on a préféré que ce qui est fort soit juste et non ce qui est juste soit fort. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous serez président de la République, au soir de votre élection, vous allez donner un certain sens à cette justice à laquelle tout le monde, tous les Guinéens aspirent aujourd'hui? Écoutez, lisez dans mon projet de société la question évoquée là-bas. Mais je vais vous dire une chose. La justice est un véritable problème pour la Guinée, notamment la justice des affaires. Ce serait